continually your grace, O God. Oh Lord, we are so grateful, we are so thankful. We are so grateful and so thankful because of your presence, because of the Holy Ghost. The Holy Ghost that is present in between the earth. You know how imperfect we are. You know how useless we are. But we just come as we are in order to shout, to cry out to you because we are so desperate. We need to be filled, full of the knowledge of the Lord. We need to enter that dimension, that level of intimacy. We need to know you as you are, as you want us to know you, please, Lord. We have much of incapacities, much of imperfections, much of sins, but we are so desperate. That's why we cry out to you tonight, because we need you, because we want you, because we ask for you, we ask for your presence. We need the Almighty Lord. We need the Holy Ghost. We need a communication, a relationship with the Lord Jesus Christ through his Holy Spirit. Come and take control of all things. Be in control. And may this story, the story of our lives, our destiny, be written by you, upon you, through you, for you. Brace Catulia Sintilia Braturia Misantia. Tono Fini Oncron. Que ton nom est infini, mon grand. Skerido Sutalia, ton nom est infini, mon grand. Oh, que ton nom est infini. Mon grand, quand je contemple la création, ton nom est infini. Mon grand, je peux pas m'empêcher de dire que ton nom est infini. Mon grand, quand je contemple l'histoire de ma vie, ton nom est infini. Mon grand, je peux pas m'empêcher de dire que ton nom est infini. Mon grand, quand je contemple ma destinée, ton nom est infini. Mon grand, et du passé duquel tu m'as tiré, que ton nom est infini. Mon grand, quand j'étais au pied de la mort, ton nom est infini. Mon grand, dans les prisons du diable en moi, que ton nom est infini. Mon grand, et ta majesté, c'est au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Mon grand. Shabrazeke Terebro Sakamia. Mighty Lord, we are asking for you. Just have your way. Come and take control of this moment, of our words, of our hearts, of our thoughts. We need you.
Have your way, oh Lord. Have your way. Ça veut dire prends la direction. Have your way, oh Lord. Have your way. Ça veut dire fais-toi un chemin. Have your way, oh Lord. Have your way, sois le seul réclamé. Have your way, oh Lord. Have your way, so we cry out to you. We cry out to you. We cry out to you. Ça veut dire que nous crions à toi. We cry out to you. We cry out to you. Quand les justes crient, we cry out to you. We cry out to you. L'Éternel les entend et les délivre. We cry out to you. We cry out to you. So Lord, please have your way, oh Lord, have your way. Sobra scintilla. Merci Saint-Esprit de ce que tu te ferais un chemin dans nos vies, de ce que aucun obstacle, aucune barrière doit venir s'interposer en ta volonté, en nous. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Tu trouves toujours une occasion de te frayer un chemin. Toujours une occasion d'habiter en nous, de t'établir, de nous posséder, de nous rendre obsédés par toi. Alors viens endommager notre ignorance ce soir par la parole, fais-toi un chemin par la parole. Parce que la Bible, que ta parole est comme une épée à double tranchante, qui perce, qui tranche, qui découpe. Alors viens découper notre ignorance, viens endommager notre ignorance, viens déchirer nos cœurs par ta parole. Viens parler à nos cœurs, pas à nos oreilles. Pas pour nous faire crier, non, mais pour parler à nos cœurs, pour bouleverser la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir ici, changer. Il y a une personne qui est venue alourdie, chargée, avec des fardeaux, mais nous te supplions qu'elle dépose ses fardeaux à tes pieds par ta parole. Parce que la Bible dit que tu envoies ta parole, et la parole est fait libérer de la fosse. Alors faire sortir quelqu'un des fosses dans lesquelles cette personne était, au plein milieu de la cendre, dans les labyrinthes, dans les situations compliquées, dans les puits, et tends ta main de grâce, envoie ta parole. Nous disparaissons, soit le seul qui soit vu, le seul qui apparaisse. Tu nous connais, tu connais nos faiblesses, nos incapacités. Nous sommes tellement faibles, tellement incapables. Nous avons tellement de lacunes. Nous sommes tellement vulnérables, mais nous implorons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit, nous réclamons le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit va parler au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus le Christ. Merci pour mes frères qui ont mis leur caméra. C'est que pas mal de leur caméra, là. Je pense que vous, je vais demander à Dieu d'étirer l'onction dans laquelle j'opère comme ça. Maintenant, quand tu peux mettre ta caméra. Alléluia. Bon, tu vas inviter tes 12 personnes. Amen. Donc, tu vas prendre le lien. Tu vas inviter tes 12 personnes. Tu vas te connecter toi seul. Toi, toujours, tu viens chaque vendredi, tu viens, tu manges la parole, tu manges. Tu manges seul. Espèce d'égoïste spirituel. Égoïste spirituel. Hein? Comment on peut manger seul la parole de Dieu? Ça te fait du bien chaque semaine, tu es transformé, tu es bouleversé. Et puis toi, tu manges toi seul. Tu ne peux pas partager. Donc les gens, tu veux que les gens soient affamés. Amen? Partage, il faut que les gens mangent aussi. Parce que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des gens qui snapent chaque semaine, ils sont dans des restaurants, mais ils sont remplis des nourritures, de la nourriture humaine, mais la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Ils sont vides, désaffamés. Invite-la à manger. Alléluia. Invite-la à manger. Dieu va faire du bien à quelqu'un. En plus, ce message aujourd'hui est tellement fort. Tellement fort, ce message aujourd'hui, il est trop fort. Je devais prier ce matin, comme chaque matin, hein, à 4h20. Mais l'esprit ne m'a pas réveillé à 4h20.
À 4 heures, je ne me suis pas levé, mon réveil a sonné, je me suis réveillé, mais je n'ai pas ressenti que. Vous savez, il faut être sensible à l'esprit. Il faut être sensible à l'esprit. Il y a une sensibilité à l'esprit, ce n'est pas la fatigue. Là, tu ressens que c'est l'esprit qui te dit non. Attends un peu. Ce n'est pas maintenant l'heure de prière. Tu vois? Faut pas ça. Juste pour lui dire que quand tu vois que tu te réveilles, non, non, faut pas mentir sur la sensibilité à l'esprit. Amen. Il y a une dimension de la sensibilité où tu te réveilles à l'heure de prière, mais l'esprit te dit non. Dose, c'est pas maintenant. Et c'est comme ça que je me suis réveillé à 4h20 pour prier, mais. Genre, je ne ressentais pas que je devais me lever et l'esprit m'a réveillé à 6h pile. 6h pile. Tu vois, ça c'est la preuve que c'est l'esprit qui réveille. Quand tu vois que tu te réveilles à 5h42, 33, ça c'est la fatigue. Mais quand tu te réveilles à 30, 45, pile, ça je sais que c'est il y a la main de Dieu dedans. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Amen. C'est comme ça que l'esprit m'a réveillé à 6h. Je pensais que j'allais prier. Bon, tu as vu? Il m'a dit. Il a réquisitionné mon monde de prière, il m'a fait le chercher jusqu'à 9h pour ce message. Et je suis sorti quand j'allais me recoucher, j'étais waouh, parce que j'avais jamais compris. En fait, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, il m'a montré que c'est un terme, je vais te parler d'un terme, je vais te parler d'une facette de Dieu qu'on emploie souvent dans la prière, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et il m'a parlé aujourd'hui, mais c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort parce que ce qui est particulier, parce que tu as compris, hein, je pense que tu as compris qu'on est rentré dans une nouvelle dimension dans ce groupe. L'esprit nous... En fait, l'esprit me parle semaine après semaine. En fait, vous savez, dans les scènes séries, je vous dis la vérité. L'esprit me parle le vendredi, il me parle sur 2 semaines. C'est-à-dire, en fait, l'esprit me parle en termes de suite logique. Amen. C'est-à-dire, on a parlé d'un terme en particulier. La semaine qui suit, en fait, il prend ce que j'ai dit la semaine précédente, quelque chose qui a marqué, et puis il m'explique dessus. Mais cette série, c'est pas comme ça. Cette série, en fait, ça n'a rien à voir avec le message précédent. Donc, je vais être là. Par exemple, comment j'ai reçu le titre de ce message? J'étais en train de laver les assiettes. Il m'a dit arrête de laver les assiettes. Il m'a parlé. Il m'a donné le titre. Mais si tu n'écris pas le titre, tu vas l'oublier. Je suis obligé d'essuyer mes mains rapidement pour aller écrire. Dans cette série, c'est comme ça. Voilà pourquoi tu dois prier pour moi. Ah, tu dois prier pour moi. Parce que là, c'est pas la suite logique. Et tu sais que tu me connais. Si tu n'as pas parlé, je n'ai pas le droit de venir m'asseoir pour parler. Quelle folie de parler quand tu n'as pas parlé. Quelle folie. Malheureusement, nous sommes beaucoup fous. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Et que ce ne soit pas le mien au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous libère de la folie et attaché au cœur de l'enfant. Amen. Oh, il y a la folie qui attache au cœur de l'enfant. Que Dieu nous libère de cette folie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu a un message. Il a un message pour toi. Il a un message pour moi. Par le Saint-Esprit. Ce message va te faire du bien. Ce message va me faire du bien. Ce message est tout frais. Je n'avais jamais compris ça comme ça, mais l'Esprit a parlé. Et quand l'Esprit parle, il faut reconnaître ses bontés, ses grâces. Et sa fidélité. Amen. Amen. Ok. Alors, je sens qu'aujourd'hui, je vais prêcher avec un instrumental. Tu vas pas entendre l'instrumental, mais moi, je vais l'entendre. Que ça fasse couler l'onction prophétique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Excusez-moi. Amen. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, j'espère que tu as invité tes 12 personnes. Tu as invité tes 12 personnes. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Le titre de message va s'afficher. Le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Est-ce que vous pouvez m'enlever la fiche d'enseignement consacré à Dieu, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est consacré en petit. Je n'aime pas être en petit. On voit en grand. Tu ne m'as pas rendu petit. Je ne parle pas rien. Voilà. Il a dit, je vois, je rentre ton nom grand. Pourquoi je vais être en petit? Alléluia. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Pouvoir pour se consacrer. J'espère que tu as marqué le titre. C'est dans les commentaires, donc vous pouvez voir le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Alors, c'est quoi le libre arbitre? Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Amen. Quelqu'un me dit Amen et on y va. Je vais enseigner aujourd'hui, mais c'est pour te faire comprendre quelque chose que tu n'avais jamais compris, que je n'avais jamais compris aussi. Mais c'est tellement fort comment Dieu m'a parlé. Et je t'assure que tu vas te rendre compte comment c'est tellement facile de se consacrer. Parce que si tu as compris, nous sommes dans la série qui s'appelle Consacrer à Dieu. Et notre problème, dans cette génération, notre problème, c'est souvent de la consécration à Dieu. Je t'ai expliqué que
Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donne le Saint-Esprit, mais dans le contrat, toi, tu reçois l'Esprit et lui, il devient ce qu'on appelle ton Seigneur et ton Sauveur. Et j'ai expliqué que c'est plus facile pour nous de faire de Jésus notre Sauveur que de faire de lui notre Seigneur. Parce que pour faire de lui notre Sauveur, c'est très facile. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc la prière du salut fait de Jésus ton Sauveur, mais je t'ai expliqué que pour faire de lui ton Seigneur, il va te falloir quoi? La consécration. La consécration. Voilà pourquoi la Bible dit que ayez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ou encore ayez la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faire de Jésus ton sauveur, c'est très facile. Fais la prière du salut, il devient ton sauveur. Mais faire de lui ton Seigneur, il faut la consécration. Voilà pourquoi nous sommes dans la série qui te parle de consacrer à Dieu. Comment se consacrer à Dieu? Pourquoi se consacrer à Dieu? Comment le faire? Dans quelle optique? Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est plus facile qu'on le pense. Je te dis la vérité, c'est vraiment plus facile qu'on le pense. En fait, le but de cette série, je ne sais pas combien de temps va durer, sur combien de semaines, sur combien de mois, mais l'Esprit va te montrer que c'est plus facile qu'on le pense de sortir du péché. C'est plus facile qu'on le pense de ne pas tomber dans la masturbation, la pornographie. C'est plus facile de ne pas tomber dans la colère, la tristesse, l'amertume. C'est plus facile qu'on le pense. Je te dis la vérité, c'est plus facile qu'on le pense. Mais c'est la connaissance qui va t'amener à cela. La Bible dit que dans Osée 4 verset, si nous connaissons ce verset, mais le problème c'est que nous connaissons le verset pour réciter. On n'a pas la révélation des versets. On a juste une connaissance informative. On est informé, mais on n'a pas la conscience. Il dit, mon peuple est anéanti faute de connaissance. C'est tout simple. Ça veut dire, en fait, ce sont des choses. Il faut que tu comprennes que c'est facile, en fait. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pas compliqué de ne pas tomber dans l'impudicité, dans la fornication, dans la masturbation. C'est pas compliqué de ne pas tomber dans la colère, dans l'amertume. Ce n'est pas compliqué de ne pas tomber dans les moqueries, dans les injures. Ce n'est pas compliqué de ne pas écouter la musique mondaine. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, en fait. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais en fait, tant que l'Esprit ne va pas te montrer par les enseignements, voilà pourquoi moi, vous me connaissez, j'aime les enseignements. Et pas venir ici te chauffer pour dire tu seras, tu seras, tu seras. Toi, tu n'étudies pas. Et puis, on avait dit tu vas avoir ton diplôme. Et puis, tu es là, tu dis amen. Quel amen? Tu n'as pas étudié, tu veux quel diplôme? Non, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas une personne qui va me hâter pour la prédication. Oui, tu seras cette année, tu auras, tu auras. Est-ce que tu as fait ce que tu dois faire pour avoir? Tu veux le visa, tu ne connais même pas la langue du pays dans lequel tu vas aller. Tu ne sais pas bien parler français, tu veux visa français. Tu ne sais pas bien parler anglais, tu vas aller aux États-Unis. Et puis, moi, je n'ai qu'à venir déclarer tu auras ton visa. Laisse ça, va apprendre. Va augmenter ta valeur. Donc moi, j'affectionne l'enseignement parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce qui va te libérer, ce n'est pas que je vienne déclarer, si tu seras, tu seras. C'est que je vais t'expliquer qui tu es déjà. Pas qui tu seras, qui tu es déjà. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, selon Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, aujourd'hui, il faut me soutenir par les amen, hein, parce qu'aujourd'hui, le message est frais. Si je vois que tu me refroidis, je raccroche. Non, non, aujourd'hui là, aujourd'hui tu vois, je me redis, je raccroche, je repars dans mon intimité parce que quand je suis assis là, tu vois, quand je suis assis, vous savez, quand je vais m'asseoir, dès que je m'assois, j'ai une envie, c'est de finir rapidement pour repartir avec Dieu dans mon intimité. Donc si tu ne m'encourages pas là, je vais raccrocher. Et moi, le problème, c'est que moi, Dieu m'a déjà enseigné. Donc c'est toi qui n'as pas encore enseigné. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois m'encourager. Oh, je sais que tu vas m'encourager. Amen. Donc, la consécration est facile en fait. Mais c'est la connaissance qui va t'amener à comprendre qu'en fait, les commandements de Dieu ne sont vraiment pas pénibles, en fait, et que c'est plus facile qu'on le pense. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Alors, tu me dis, mais le libre arbitre, tu sais, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est le fait de choisir, c'est moi, je décide ce que je veux quand je veux. Tu imagines ça? Alors, comment on peut me dire que le fait que mon pouvoir de décision est un pouvoir puissant pour me consacrer? Tu vois, déjà, quand une personne t'explique ça, tu dis, mais attends, c'est aussi simple que ça? Comment le fait que si je décide de me consacrer, ça va me donner une puissance pour me consacrer? En fait, je vais te montrer que c'est tellement simple. La consécration, c'est une simplicité. Dieu m'a émerveillé ce matin. Quand il me parlait, j'ai dit, waouh! Le libre arbitre, un pouvoir pour se consacrer. Un pouvoir, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est le choix qui est donné à chacun d'entre nous, le choisir. Ou encore, je dirais, c'est l'opportunité qui est donnée à chacun d'entre nous de choisir ce qu'on veut. Chacun d'entre nous, on a la choix, on a l'opportunité de déterminer nos relations. On a l'opportunité d'aller là où on veut, quand on veut, avec qui on veut, comme on veut. On a l'opportunité de devenir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Ça, c'est le libre arbitre. C'est mes choix, c'est mes décisions. Moi, papa, moi, j'ai décidé de faire de la médecine. Mon papa dit non, tu feras du droit. Libre arbitre. C'est ton libre arbitre qui décide en quelque sorte. Amen. Le libre arbitre. C'est un choix qui est donné à chaque être humain. C'est une opportunité que chaque être humain a. En fait, on n'apprend pas à quelqu'un à avoir le libre arbitre. Tout le monde a le libre arbitre. La preuve, tu t'es connecté et tu aurais pu décider de ne pas te connecter. Tu t'es connecté. Est-ce qu'on t'a obligé? Bon, le Saint-Esprit t'a attiré. Oui, le Saint-Esprit t'a attiré. Parce que si tu penses que c'est simple, ce n'est pas simple.
Le Saint-Esprit t'a attiré. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure, tu t'es dit, mais j'ai quelque chose à faire, mais tu es connecté. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es encore connecté. En fait, il y a quelqu'un qui te garde. Tu dis, non, tu ne peux pas te déconnecter, il faut que tu restes. Tu dois parler à ton cœur. Donc, en ce qui concerne les choses de Dieu, la Bible dit, non, là, ce n'est pas vous m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bon, donc Dieu, on va laisser à part. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que même ce que tu as porté, c'est le libre arbitre. C'est toi qui as décidé de porter cela. En fait, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle ta volonté. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle ta capacité de choisir, ta capacité, le libre arbitre. C'est moi, je décide. Je suis l'arbitre de ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un choix qui est donné à chacun d'entre nous. C'est une opportunité de choisir qui est donnée à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je décide de manger ça. Aujourd'hui, je choisis de faire ça. Aujourd'hui, je décide de parler ça. Je décide de regarder ça. Le libre arbitre. Mais est-ce que tu sais que cette chose aussi simple, est-ce que tu sais que c'est un pouvoir pour te consacrer? C'est un pouvoir tellement puissant pour te consacrer. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas. En fait, tu verras, mais c'est trop fort. C'est un pouvoir redoutable pour te consacrer. Le libre arbitre, c'est un pouvoir redoutable. Le simple fait de dire que je choisis ça, c'est un pouvoir redoutable pour te consacrer. Un pouvoir redoutable. Un pouvoir redoutable. Et il faut savoir quelle est l'origine de ce libre arbitre-là. D'où est-ce que l'homme a reçu le libre arbitre? Le libre arbitre a été donné par Dieu à l'homme. C'est Dieu qui a donné le libre arbitre à l'homme. L'homme n'est pas né avec le libre arbitre. Il a reçu ça de quelqu'un. Il a reçu ça de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 2 au verset 9, le verset va s'afficher, la Bible dit que l'éternel Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc si on dit agréable à voir et bon à manger, ça veut dire que c'était des arbres qui étaient censés être mangés. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, mais en réalité, juste une petite parenthèse, c'est pas le jardin d'Éden. En fait, c'est le jardin en Éden. Éden, c'est pas une ville. Voilà pourquoi tu vas chercher sur Internet où est Éden, tu vas rien trouver. Éden, c'est une dimension. Donc c'était un jardin qui était en Éden. Mais c'est pas un jardin qui était à Éden. Ok, c'est la petite parenthèse. Je sais que tu aimes les rimes comme ça. Alléluia. Donc regardez, Dieu crée le jardin en Éden. Et dans le jardin, il fait tout type d'arbres. Et tout type, il fait de toute espèce. Amen. Donc il fait tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer comme arbre. Voilà. Bananier, manguier, tout ce que tu veux. Maintenant, il te dit une chose. La Bible te précise deux arbres. Donc dans toute la multitude des arbres que tu as fait là, la Bible te parle de deux arbres. Souvent, on pense souvent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on oublie qu'avant ça, il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est celui-là qui était l'arbre au centre du jardin. Donc l'arbre, en fait, phare du jardin en Éden, c'était l'arbre de la vie. Mais à côté de l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'on précise les deux? En fait, c'était à ce moment-là que Dieu venait de prouver à la création que Dieu avait donné l'opportunité à l'homme de choisir. Mais c'était, on peut même aller bien avant ça. Même dans Genèse 1, on peut montrer que Dieu avait déjà donné à l'homme l'opportunité de choisir. Parce que la Bible dit que Dieu créa la lumière et la Bible dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ça veut dire qu'en séparant la lumière des ténèbres, Dieu tente de dire que l'homme a maintenant l'opportunité de choisir entre la lumière et les ténèbres. Dieu a toujours reçu, Dieu a toujours donné à l'homme l'opportunité de choisir. Et Dieu l'a démontré comme ce qu'il a fait le jardin et qu'il a donné à l'homme l'opportunité de choisir entre l'arbre de la vie et la connaissance du bien et du mal. Alors, tu vas remarquer une chose, c'est que à chaque fois que Dieu a séparé des choses, en fait, ce qu'il a séparé, soit le symbolisait lui ou symbolisait le diable. Quand il sépare la lumière des ténèbres, la lumière le symbolise, les ténèbres le symbolisent le diable. Quand il sépare l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal, l'arbre de la connaissance du mal symbolise le diable et l'arbre de la vie le symbolise lui. Alors, en quoi est-ce que l'arbre de la vie le symbolise, lui? C'est que la Bible dit, Jésus a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça fait un. Il dit encore, je suis la vie et la résurrection. Quiconque croit en moi ne mourra pas, quand bien même, ne paiera pas, quand bien même il sera mort. Donc, Jésus même te dit, je suis la vie. Donc, l'arbre de la vie, c'est automatiquement qui? Jésus le Christ. Ça, c'est la symbolique, c'est la représentation de Jésus le Christ dans le jardin en Éden, dans la dimension de la communion. Parce que Éden, ça veut dire communion. Éden, ça veut dire Zoé. Donc, c'est la symbolique de Jésus dans la relation qu'une personne peut avoir avec Dieu. Okay? Et il te dit en fait qu'il y avait ce arbre-là. Donc, il y avait le choix de Dieu, il y avait le choix de Jésus. Mais il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le symbole du diable. Alors, tu me diras comment? Est-ce que le diable a du bien en lui? Oui, le diable a du bien en lui parce que le diable n'est pas né diable. Le diable est né Lucifer. Et la Bible dit que Dieu l'a fait de peu inférieur à Dieu, le couronnant d'honneur et de gloire. Ça veut dire que Dieu l'a rendu. La Bible dit qu'il était d'un bel aspect. La Bible dit qu'il savait jouer des instruments, il avait des dons, il avait des talents. Mais c'est quand le mal est venu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il était éternel, je t'ai expliqué la semaine dernière, vu qu'il était éternel, le bien et le mal se sont mélangés ensemble. Voilà pourquoi vous allez remarquer à chaque pays, dans les chaque pays où on a régné Dieu,
Vous allez voir qu'il y a des pays qui sont développés sur la terre, mais en même temps qui sont développés à l'homosexualité, il y a la pornographie, à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'ils sont développés, ils ont les métros, ils ont les immeubles, c'est le bien, c'est la connaissance, c'est la science, c'est les découvertes, c'est les vaccins, mais en même temps il y a le péché. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il ne peut pas te donner le bien seulement, son bien est attaché au mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le diable, lui, est toujours mélangé au mal. Même quand le diable te bénit, t'as maudit. En fait, son bien est toujours mélangé. Mais c'est ça la vérité. Quand il fait des pactes avec les gens, les gens donnent leur âme au diable. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour avoir des bonnes choses. Maintenant, tu peux remarquer que ces bonnes choses soient sans ça associées au mal. C'est parce qu'en fait, il est le symbole du bien et du mal ensemble. Il n'est pas totalement mauvais. Il n'est pas totalement mauvais. Il a du bien en lui parce qu'il a été créé Lucifer. Mais dans son bien a été attaché le mal. Donc, tout son bien est devenu mal. En fait, on ne peut pas distinguer. En fait, quand on pense souvent à l'arbre de. Lorsqu'on pense souvent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on pense à un fruit. En fait, on pense à un fruit où la moitié est bien, la moitié est mal. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est comme un café que tu as mélangé. Tout est bien et mal en même temps. Tout est mélangé. Dès que ça vient du diable. Voilà pourquoi dans le monde, tu n'as pas remarqué que tu avais des dons et des talents. Tu avais des bons caractères. Il y a des personnes ici, et ils luttent, et ils luttent contre, et ils luttent contre la masturbation, mais ils ne luttent pas contre la colère. En fait, c'est mélangé, c'est mitigé. Dès qu'il s'agit de quelque chose du diable, c'est mitigé. Oh, le bien et le mal. Et l'homme maintenant devait faire face au choix. C'est bon pour le verset. L'homme maintenant devait faire face au choix entre le bien et le mal, c'est-à-dire le diable, et l'arbre de la vie, c'est-à-dire Dieu. Donc tu remarques que dès le commencement, Dieu a donné à l'homme l'opportunité de choisir, le libre arbitre. Alors il y a différentes choses que je vais t'expliquer concernant ce libre arbitre-là. La première des choses que tu dois savoir concernant le libre arbitre, c'est que le choix du libre arbitre ne doit revenir seulement à l'homme. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Dieu a commencé à parler, c'est fort. Il faut que tu comprennes que le choix du libre arbitre n'est réservé qu'à l'homme. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que le diable n'a pas influencé ton libre arbitre. Dieu aussi n'a pas influencé ton libre arbitre. C'est comme ça que le libre arbitre a été créé. Le libre arbitre qui t'a été donné, en fait, c'est un libre arbitre qui t'a été donné en fait que personne n'influence. Pas même le diable, pas même Dieu. Dieu n'a même pas le droit d'influencer ton choix. Est-ce que tu sais ça? Dieu n'a même pas le droit d'influencer ton choix. Il n'a pas le droit. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand vous lisez Genèse que Dieu n'a jamais fait la publicité de la lumière. Dieu n'a jamais fait la publicité de l'arbre de la vie. Jamais. Parce que l'Esprit m'a expliqué. Dieu m'a dit, quand j'étais chargé, il m'a dit, je vois, tu sais, je suis comme une entreprise. Vous savez, il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu une publicité d'Apple? Jamais. Il ne faut pas de publicité. Apple ne font jamais une publicité. Ils ont un site, mais ils ne font pas de publicité à la télé. Vous avez remarqué? Pourquoi ils ne font pas de publicité? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont conscience de qui ils sont. Et ils savent que ceux qui achètent leur appareil sont eux-mêmes la publicité. Donc Dieu sait qu'il n'a pas besoin de faire la publicité de qui il est. Il sait que celui qui m'a attesté sera la publicité de qui je suis. Dieu ne fait pas je répète, Dieu ne fait jamais la publicité de qui il est. Mais il sait que celui qui a expérimenté ma gloire sera la publicité de qui je suis. Dieu n'a pas besoin de te dire, viens vers moi, parce qu'il sait que si tu viens, tu vas expérimenter toi-même, tu vas aller parler de lui. Oh, je sais de quoi je parle. Quand on appelle ça goûter, rester. On appelle ça. Oh, non, je sais de quel Dieu on parle. Quand tu as mangé de l'arbre de la vie, il n'a pas besoin de faire la publicité de l'arbre de la vie. Il sait que quand tu manges de l'arbre de la vie, tu iras parler de l'arbre de la vie. Tu iras dire que l'arbre de la vie est rentré en moi. Et là où je cherchais les relations, là où je cherchais la gloire des hommes, j'ai été comblé par l'arbre de la vie. Il n'a pas besoin de faire la publicité. Dieu est comme Apple. Il est comme Apple. Il ne fait pas la publicité de son appareil. Mais tout le monde s'arrache. Même si Dieu te dit. Et c'est ça, en fait, c'est ça la vérité. Tu sais, quand tu as testé un iPhone, quand tu as eu le iPhone X, même quand l'iPhone 12 sort, il te dit que c'est 1500 euros, tu es prêt à payer. C'est la même chose avec Dieu. Dieu peut augmenter le prix de sa gloire, le prix à payer. Il peut te dire qu'il faut prier plus, prie une heure de plus, puis 2 heures de plus. Mais tellement tu as expérimenté en une heure de plus, tu as expérimenté un aperçu de sa gloire, tu es capable de dire, OK, j'accepte de monter dans mes heures de prière, j'accepte de monter dans mes jours de jeûne. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté une heure de prière, c'était suffisant pour expérimenter ta gloire. Alors si tu me dis, prends 2 heures de plus, j'accepte. C'est comme Qu'est-ce que Apple ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Les gens méchants. Là. À chaque nouveau téléphone, ils augmentent les prix. 1500 euros, 500 euros le plus, mais on va acheter quand même. Pourquoi? Parce qu'on a testé une fois, on a dit non. Ah, c'est trop fort. De même, quand tu as expérimenté la gloire de Dieu, automatiquement, tu comprends que dès que tu as expérimenté la gloire de Dieu, même si tu te dis, vas-y, cherche plus. Tu dis, OK, j'accepte. L'arbre de la vie. Mais ce choix-là, le choix de choisir entre l'arbre de la vie ou la connaissance du bien et du mal, ou encore de choisir entre Dieu et le diable. Ce choix-là, le diable et Dieu n'ont pas le droit d'influencer ce choix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils n'ont pas le droit de l'influencer. Mais il y a un verset, quand on le lit, on peut penser que
Dieu a essayé d'influencer Adam. Mais laisse-moi m'expliquer, il m'a dit non. Je vais te montrer. Bon, je sais que bon, tu n'as pas forcément lu, donc tu n'as pas forcément. Mais je vais t'expliquer quand même. Je n'étais pas obligé, mais je vais le mettre quand même. Hein? On va partager un peu les rimes. Alléluia. Genèse 2, du verset 16 à 17. Alors, ce verset, quand tu le lis, tu as l'impression que Dieu essayait d'influencer le choix de Adam. Tu as l'impression. Amen. Affiche-le en grand, s'il te plaît. Tu as l'impression. Regarde, regarde. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Prochain verset. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors quand tu lis ce verset, tu te dis, mais attends, mais Dieu n'est pas en train de dénigrer son concurrent. Enfin, là, ça paraît un peu comme les entreprises qui te disent, non, on ne va pas manger là-bas, mange ici. Va pas acheter là-bas, achète ici. Donc, on pense, en fait, quand on regarde ça, on a l'impression que Dieu est en train de faire la publicité de l'arbre de la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il est en train de dénigrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'esprit m'a dit que non, ce n'est pas vrai. Ça paraît ça, mais ce n'est pas vrai. En fait, Dieu, dans sa prescience, c'est-à-dire, quand il dit la prescience de Dieu, c'est-à-dire, Dieu sait ce qui va arriver. En fait, Dieu, dans sa prescience, savait que le diable allait venir lui faire la promotion de son arbre. Donc, Dieu a anticipé. Il vous dit, Adam. Adam, ne mange pas parce que le diable il va venir faire la promotion. Et l'esprit m'a montré, il m'a dit, tu as vu comment le diable c'est un escroc. C'est-à-dire, le diable, même Dieu a essayé de faire un pacte avec lui. C'est-à-dire, même Dieu, il a fait pacte. Et le diable, vous dites, le diable, toi et moi, on a fait un pacte. On n'influence pas le choix de l'homme. Même Dieu a fait pacte avec toi, le diable. Mais toi-même, tu as essayé d'escroquer Dieu. Ah, quelle dimension de folie. T'imagines ça? Dieu fait un pacte avec toi. Tu n'influences pas, je n'influence pas. On laisse à l'homme de choisir. Mais tellement Dieu sait que le. Parce que quelqu'un, mais quand tu regardes quelqu'un qui arrive à. Quelqu'un arrive à escroquer Dieu, qui essaye d'escroquer Dieu. Tu penses que c'est un homme qui va. Quelqu'un, Dieu fait un pacte avec lui pour dire tu n'influences pas, je n'influence pas. On laisse à l'homme la possibilité de choisir. Il essaie d'escroquer Dieu. T'imagines, tu penses que c'est un homme qui va pas escroquer. Donc, il fait ça paraît comme si c'est Dieu qui essaye de dénigrer le diable, alors que non, c'est parce que Dieu savait que le diable allait venir parler derrière à Adam et à Ève pour dire que regarde, n'as-tu pas vu les arbres? Dieu a-t-il dit qu'il ne fallait pas manger tous les arbres du jardin? Et dit non, il a dit qu'il faut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car celui-ci, on mange, on va mourir. Il a dit non, et c'est là, il a commencé à dire non, tu ne vas pas mourir, etc., etc. Donc vous avez vu comment c'est subtil, le libre arbitre. Mais ce choix-là, en fait, de base, n'est pas censé être influencé par quelqu'un. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le diable n'a pas à violer ton libre arbitre. Il n'a pas à l'influencer. Dieu ne va pas le faire. Mais le diable n'a pas à le faire. Parce que le libre arbitre est tellement puissant. Le libre arbitre est tellement puissant. Celui que tu choisis, tu n'as pas idée. L'esprit m'a dit que le libre arbitre est un pouvoir qui déclenche la puissance de celui que tu as choisi. Le libre arbitre est un pouvoir qui déclenche la puissance de celui que tu as choisi. C'est-à-dire, quand tu décides de choisir Dieu, tu es en train de déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu choisis le diable, tu déclenches la puissance du diable dans ta vie. C'est ça la vérité. Donc le libre arbitre, le choix qui t'a été donné, le verset, c'est bon, le choix qui t'a été donné de choisir là, ce choix-là est un pouvoir tellement redoutable. Ce choix, la volonté de l'homme de choisir entre la volonté du diable et de Dieu est un pouvoir redoutable. Et le choix que tu opères, c'est-à-dire le libre arbitre, le choix que tu opères, ça déclenche la puissance de celui que tu as choisi dans ta vie. Est-ce que tu parles à quelqu'un, hein? Mais l'esprit m'a dit de vous faire comprendre que ce choix-là ne s'effectue pas quand tu as confessé Jésus de ta bouche. Ce n'est pas quand tu as dit, Seigneur, je te choisis toi. Ah non, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce choix dépend à qui tu obéis. En fait, tu choisis en fonction de quel projet tu décides de manifester dans ta vie. Dieu a dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Ça veut dire qu'il y a des projets de malheur. Les projets de bonheur, c'est Dieu qui donne. Les projets de malheur, c'est le diable qui donne. Tu détermines qui tu as choisi quand tu choisis en fonction des projets de qui tu veux manifester. Si c'est les projets de Dieu que tu veux manifester, tu viens de choisir Dieu. Si c'est les projets de Satan que tu veux manifester, tu viens de choisir Satan. Et tu déclenches la puissance ainsi de celui que tu as choisi dans ta vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui à qui tu obéis. C'est les services, c'est les intérêts de la personne que tu veux servir qui détermine celui que tu as choisi. Et ça ramène à la notion de quoi? De serviteur et de quoi? Et de seigneur. Donc, tu vois, ça nous ramène encore à la notion de quoi? De consécration, de kurios. Il a dit, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Qu'à soi, il aimera un, haïra l'autre. Qu'à soi, il méprisera un et s'attachera à l'autre. Donc, tu te rends compte en fait que le simple choix
C'est ton choix, c'est-à-dire ton obéissance. Tu veux servir les intérêts de qui? Tu es né sur la terre là. Tu es né sur la terre pour accomplir la destinée de qui? C'est en fonction de ça qu'on détermine qui tu as choisi. C'est pas quand tu chantes, je te veux toi, Seigneur, je te veux toi. Laisse ça, laisse ça. C'est j'ai décidé de choisir qui. Toi, tu dis tu veux faire médecine. Bon, je vais pas prendre la médecine. Mais si tu prends la médecine, quelqu'un m'a dit non, mais tu as trop de parler de moi. Hein? Voilà. Toi, tu dis tu veux faire l'agriculture. Alléluia. Dieu te dit que non. Toi, je veux que tu sois couturier. Tu dis que non, moi, depuis que je suis petit, je veux cultiver les arbres. Mais tu es en train de prouver à Dieu que tu ne veux pas manifester ses projets. Donc, comment tu peux venir dire que tu l'as choisi, lui, alors que tu ne veux pas servir à ses intérêts? C'est subtil et c'est profond en même temps. C'est pas, le libre arbitre est très simple, hein, mais en même temps qu'il est simple, en même temps qu'il est subtil. Ce n'est pas dans la bouche. Ça commence par une prière. Bien évidemment, ça commence par la prière du salut, je t'ai expliqué. Et ça ne s'arrête pas là. C'est toute une obéissance. C'est toute une capacité de dire à Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux obéir. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant que tu as compris la puissance du libre arbitre, maintenant je rentre dans mon message. Je te dis la vérité, Dieu m'a bouleversé. Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, quand tu le choisis, lui, tu vas rencontrer une facette de lui. Tu veux que je te dise comment on appelle cette facette de lui? Quand tu choisis Dieu, tu vas rencontrer une facette de lui qu'on appelle le Dieu jaloux. Regarde, j'ai dit pendant des années, Dieu jaloux. Tu sais, on dit souvent dans nos prières, Dieu jaloux, au Père, on ne sait pas ce que ça veut dire. Le Dieu jaloux est un Dieu redoutable. On ne fait pas la guerre au Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Il m'a expliqué ce que c'est le Dieu jaloux aujourd'hui. Je n'avais jamais compris c'était quoi le Dieu jaloux. Souvent, c'est un truc qu'on dit dans la prière. Dieu jaloux, laisse ça. Tant que tu ne sais pas c'est quoi Dieu jaloux, il ne faut pas dire dans ta prière. Mais aujourd'hui, par sa grâce, tu vas savoir. Le Dieu jaloux. Il m'a dit, quand tu le choisis, il devient ce qu'on appelle le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, c'est un Dieu redoutable. Un Dieu qui fait la guerre. Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, quand il opère dans ta vie, ce qui te faisait la guerre, il dit, quoi? Toi, tu fais la guerre, ma fille. Tu fais la guerre, mon fils. Je vais t'écraser la tête. Le Dieu jaloux, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Parce que si tu dis, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, si Pharaon ne libère pas mon peuple, je vais le bastonner, je vais le frapper. Le Dieu jaloux. Ne jouons pas avec le Dieu jaloux. Quand tu choisis Dieu, il va se révéler à toi dans sa face de Dieu jaloux. Alors je vais t'expliquer c'est quoi le Dieu jaloux. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi le Dieu jaloux est important dans ta consécration. Parce que quand on parle de Dieu jaloux, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est celui qui va venir combattre ce qui te combat. Voilà pourquoi je suis en train de parler du Dieu jaloux. Celui qui va venir faire la guerre, ce qui te faisait la guerre. Le péché qui t'empêchait d'avancer. Tu te gardais captif. Les relations, en fait, il vient faire la guerre. Il te libère. Le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Ah, quelqu'un dit avec moi en commentaire le Dieu jaloux. Brazazamaya. Et le verset, en même temps, le verset de Deutéronome 6, au verset 14, va s'afficher. Regardez. Braziketo radazintia. Radaza sotia. Verset. La Bible dit, regardez ce que Dieu dit. Il dit à Moïse. Il dit, vous n'irez point après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Alors d'abord, avant de vous expliquer un peu la suite du verset, le verset 15, il faut comprendre ce verset. Il dit, vous n'irez point après d'autres dieux. Amen. Il dit, vous n'irez point après d'autres dieux, des peuples qui sont autour de vous. Alors, à cette époque-là, Dieu parlait des idoles. Ok? Donc, il parlait des Baals, il parlait des Astartés, il parlait des Dagons, voilà, il parlait des idoles, en fait, des statues à cette époque. Mais comment relater ce verset qui date de des milliers d'années à aujourd'hui? En fait, il faut comprendre que quand il dit « vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux, des peuples qui sont autour de vous », Dieu est en train de parler des dieux que les gens de ton entourage servent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois dans tes amitiés, il y a des personnes qui vont en boîte de nuit, il ne faut pas servir leur dieu. Le dieu des boîtes de nuit, le dieu des vols. Il y a des amis qui volent, il y a des amis qui se moquent, il y a des amis qui sont dans la frustration, dans l'implicité, il y a des amis qui sont dans la colère, des amis qui sont dans les bagarres, il y a des amis qui sont dans les moqueries. Quand il dit d'autres les dieux des peuples autour de vous, il est en train de dire justement, il ne faut pas servir le dieu de tes amis. Il ne faut pas servir le dieu de tes amis qui sont dans le péché.
qui vont dans les coins bizarres. En fait, si tu les suis, si tu marches dans leurs habitudes, tu es en train de servir leur Dieu. Servir le Dieu des boîtes de nuit. Le Dieu de l'approbation des hommes. Le Dieu de la colère. Le Dieu des bagarres. Le Dieu des insultes. Le Dieu des relations impudiques. De la fornication. Tu es en train de servir leur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, vous n'irez point après d'autres dieux. Il est en train de parler de ça. Maintenant, verset 15. Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, il dit, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, il faut que je fasse la voix avec, donc tu me comprends, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de ton Dieu, de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. Hey, Dieu jaloux. Et il m'a dit que le Dieu jaloux, c'est quoi? Sur la base de ce verset. Le Dieu jaloux, c'est quoi? C'est le Dieu qui exprime sa colère en exterminant la cause de sa colère. Le Dieu jaloux, c'est celui qui exprime sa colère en exterminant la cause de sa colère. C'est-à-dire, lui, quand il exprime sa colère, quand le Dieu jaloux exprime sa colère, il vient exterminer celui qui a causé sa colère. Le Dieu jaloux, il fait la guerre à ce qui a été la cause de sa colère. C'est ça, le Dieu jaloux. Il extermine la cause de sa colère. C'est ce qu'on appelle le Dieu jaloux. Tu imagines ça? Dieu décide de t'exterminer. Tu vas aller où? Tu vas te cacher où? Dans quelle grotte? Derrière quelle autorité? Derrière la prière de quel pasteur? Quel sorcier? Dieu dit, je vais t'exterminer. Oh. Aïe. Le Dieu jaloux. Oh. Oh là là. Le Dieu jaloux? Non. Le Dieu jaloux, c'est celui, je répète, c'est celui qui exprime sa colère en exterminant la cause de sa colère. Alors, le verset, c'est bon. Alors, maintenant, je vais commencer à rentrer parce que là, je vois que tu souris. Là, je vois que tu es en train de sourire. Tu dis, non, il va combattre pour moi. Calme-toi. Parce que je vais te montrer quelque chose aujourd'hui. Hein. Je vais te parler. Il m'a dit une chose. Il m'a dit qu'en fait, le Dieu jaloux extermine en fonction du choix. Bon, je vais reformuler parce qu'il faut que ça choque le cœur de quelqu'un. Alléluia. En fait, il m'a dit, quand tu le choisis, c'est tes ennemis qui deviennent la cause de sa colère. Mais quand tu choisis ses ennemis, c'est toi qui deviens la cause de sa colère. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire en fait, il faut que je parle encore à quelqu'un. Ça veut dire en fait, quand tu as choisi Dieu, tes ennemis qui te faisaient la guerre deviennent la cause de sa colère. Mais quand tu as choisi le diable, c'est toi qui deviens la cause de sa colère. Non, c'est toi qui vas exterminer. Donc, ça veut dire quand tu le choisis, il extermine ceux qui te font la guerre. Mais quand tu choisis son ennemi, c'est toi qui l'extermine. C'est ça le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, quand tu le choisis, ceux qui te font la guerre deviennent la cause de sa colère. Parce qu'il devient ton propriétaire. Il dit, qui peut toucher à mes oins? Moi, je veux dire la vérité, il y a des choses que je vis. Hein. Il y a des gens, on ne les touche pas. Hein. Il y a des gens, on ne les touche pas. Je termine la parenthèse, il faut que je me taise. Je ne vais pas parler de ça. Il y a des gens, on ne les touche pas. Il y a des gens, on ne les touche pas. Hein. Il y a des gens, tu essaies de leur faire la guerre. Sinon, eux, ils ne sont pas mis devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne. Tu vas frapper, va te frapper de la mort. Je te dis la vérité. Hein. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi quelqu'un dit, il y a des gens, il ne faut pas leur faire la guerre. Il y a des gens, il ne faut pas leur faire la guerre. Moi, comme ça, il ne faut pas me faire la guerre. Et si les gens te font la guerre, parce que je t'ai expliqué que tu as une brebis, que j'étais caché, va dire aux gens qui te font la guerre, dis, je t'en supplie, par les compassions de Christ, ne me fais pas la guerre. T'en supplie. Quand il te fait la guerre, dis Seigneur, pardonne. Faut tâter, il faut dire Seigneur, pardonne. Moi, il y a des gens qui me font la guerre, dis Seigneur, aie compassion. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est de la folie, aie compassion. Ça, des gens, on ne fait pas la guerre. Parce que quand tu l'as choisi, lui, tes ennemis deviennent la cause de sa colère. Mais quand tu as choisi ses ennemis, c'est-à-dire d'autres dieux, c'est toi qui deviens la cause de sa colère. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi c'est l'homme qui essaie de déterminer ta colère? Pourquoi c'est l'homme qui excite ta jalousie? Pourquoi ce n'est pas contre le diable? Pourquoi tu ne détermines pas le choix du diable? Parce qu'il m'a dit, la première raison, c'est parce que c'est l'homme qui a reçu le libre arbitre, déjà, de choisir. Ce n'est pas le diable qui a reçu. Et deuxièmement, c'est parce que Dieu m'a dit, Dieu n'est pas jaloux d'autres dieux. Dieu s'en fout des autres dieux. Je peux parler à quelqu'un. Dieu n'est pas et ne sera jamais jaloux d'autres dieux. Dieu est juste jaloux de la relation de ses enfants avec les autres dieux. Dieu n'est pas jaloux d'autres dieux. En fait, il m'a expliqué. Il m'a dit, par exemple, c'est comme un mari ou une femme qui vient croiser son mari ou sa femme en adultère. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui vont essayer de frapper. En fait, il y a ceux qui n'aiment pas.
ceux qui n'aiment pas réellement leur femme ou leur mari, hein, eux, ils vont commencer à frapper la personne avec laquelle ils ont commis la faute d'adultère. Mais ceux qui aiment vraiment leur mari, ils seront tellement blessés qu'ils ne vont même pas calculer ceux avec qui ils ont commis la faute d'adultère. Ils vont calculer la personne, leur mari ou leur femme. C'est comme ça que Dieu est. Ils s'en foutent d'autres dieux. Ce n'est pas son problème. Il n'a rien à faire. Il les a déjà battus à la croix. Qu'est-ce qu'il en a fait avec d'autres dieux? Les petits. Non, ils s'en foutent. Dagon, quel Dagon? La Bible dit que quand ils ont mis l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, la Bible dit qu'ils sont venus le matin, ils se sont rendus compte que la statue de Dagon était taillée en pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est toujours redoutable. Il n'est pas jaloux de Dieu. Vous pensez que Dieu est jaloux des dieux des musulmans? Tu s'en fous. Vous pensez que Dieu est jaloux de Bouddha? Qu'est-ce qu'il en a fait? Dieu n'est pas jaloux de Mahomet. Dieu est jaloux de la relation que ces créatures qu'il a créées à son image et à sa ressemblance ont avec eux. Il n'est pas jaloux d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont à lui donner? Ils n'ont pas l'argent. Ma Bible me dit que mon Dieu, les riches qu'il était. Hein? Quand même. Quelqu'un qui est éternel, il n'est pas mort. Eux tous, ils sont morts. Eux tous, ils sont morts. Mahomet, Bouddha, Confucius, Gandhi, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Leur tombe est encore présente. On sait où ils sont. Donne-moi où est la tombe de Jésus. Il n'a pas de tombe. Il est mort et ressuscité, il vit éternellement. Et la preuve qu'il vit éternellement, c'est qu'il a dit, oh, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il a dit, ils chasseront les démons en mon nom, ils guériront les malades en mon nom. La preuve qu'il est encore vivant, c'est pas qu'on dit Jésus est vivant, la preuve qu'il est vivant, c'est qu'aujourd'hui, quand on lui dit, reçois ta guérison au nom de Jésus, tu reçois. C'est quand on te dit, sois libéré, tu es libre. Va faire ça au nom de quelqu'un d'autre, tu verras, ça va marcher. Ça n'a pas marché parce qu'ils sont tous morts. La mort les a bloqués, la mort les a gardés dans la prison du cellule des morts. Ils sont morts, ils sont morts, ils ne reviendront pas. Et d'ailleurs même, quand ils vont revenir, c'est Dieu qui va les faire revenir. T'imagines ça? C'est notre Dieu qui va les ramener sur la terre des vivants. Donc, comment tu veux que moi j'aille servir les intérêts de quelqu'un qui n'est même pas là? Alors que quand moi je dors, il y a quelqu'un qui me réveille à 6 ans puis il me dit, je vais te parler de qui je suis. Moi, je m'appelle le Dieu jaloux. Hein? Vous ne comprenez pas. En fait, souvent quand on fait des débats, en fait, on ne fait pas les débats avec les musulmans, avec les bouddhistes. On ne peut pas comparer la religion et la vie. On ne compare pas la religion et la vie. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Voilà. Hein, ça, c'est les principes. Faites-ci, faites ça. On ne compare pas la religion et la vie. On ne te parle de quelqu'un qui a une vie. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit peut me révéler qui tu es. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu vas où? Si tu le dis, reçois ta guérison, tu reçois ta guérison. Vous n'avez pas vu les miracles. Vous n'écoutez pas les miracles. Vous voyez toutes sortes de miracles. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait pour ça que c'est un homme. Avec quel pouvoir il fait ça? Arrêtez de nous fatiguer là. Hein? Quel Dieu. Quel Mahomet. Quel Mahomet. Oh, non, mais dans la vie, il faut souvent parler, il faut dire la vérité. Le prochain Dieu qui est vivant, il n'est pas mort. Il vit éternellement à jamais. Et la preuve qu'il vit, c'est qu'il est au milieu de nous. Regarde. C'est un miracle. À ton âge, dans cette génération perverse, tu es en train un vendredi soir, tu es en train d'écouter une parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça, laquelle Dieu peut faire ça? Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu à Marseille pendant le Ramadan, à cette heure-là, mes frères même, pendant le Ramadan, mes frères musulmans, mes frères, mes cousins, pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, je les vois. Pendant le Ramadan, je vois les sistas musulmans. Elle m'a donné tiramisu ici, crêpes ici, pendant le Ramadan, le soir, hein, Ramadan même, pendant le mois même. Non, mais je sais de quoi je parle. En fait, quand je parle, c'est parce que j'ai une conscience de qui il est pour moi. C'est un miracle, c'est tout un miracle. Que tu sois connecté, que tu arrives à me dire que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est un miracle. Mais seulement ceux qui sont vivants peuvent faire des miracles. Les morts ne font pas des miracles parce que si les morts étaient capables de faire des miracles, c'est qu'ils étaient, il fallait qu'ils se ressuscitent eux-mêmes. C'est toi qui as honte de parler comme ça. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Moi, je connais mon Dieu. Il m'a sauvé de la mort. Aucun autre ne m'a sauvé de la mort. J'étais arrivé à une phase où on me demandait si j'étais chrétien, je disais j'étais musulman. Moi, je sais de quoi je parle. A pas de vie dans les autres religions, c'est la religion, il n'y a pas de vie. Les gens sont morts. Ils sont juste dans des corps humains, mais morts. Ils sont dans la mort spirituelle, séparés de Dieu. Ils n'ont aucune capacité. Ils sont esclaves de la pornographie. Esclaves, mais ils se cachent derrière les principes persuasifs de la piété. Mais en réalité, ils sont morts à l'intérieur. Ils sont des caveaux. Jésus n'a pas redonné vie, il a dit pourtant je suis la vie et la résurrection.
Ça, le problème des gens, et on a honte de le dire, nous chrétiens d'aujourd'hui, on a honte de dire que Jésus que c'est le seul Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui viendra au Père. Celui qui ne croit pas ira en enfer. Il faut dire la vérité comme ça il dit. Celui qui n'accepte pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qui ne cherche pas Dieu ira en enfer, ira en enfer, ira en enfer. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur. Si je perds des amis, ce n'est pas grave. Si je perds des gens, on est together, ce n'est pas grave. Je m'en fous. Je suis envoyé par Christ pour parler, pour délivrer un message, ce que je suis en train de faire. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne parle pas pour plaire, vous me connaissez. Je ne parle pas pour plaire. Il y a un seul chemin qui mène à la vie. Une seule vérité, une seule vie. Tu prends une autre vie, tu vas en enfer. Tu prends un autre chemin. D'ailleurs, mais il y a deux chemins. Chemin paradis avec Dieu, chemin enfer, avec le feu. Merci là-bas pour cet émoji qui décrit exactement ce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus vont vivre pendant l'éternité. Alors, oh, bon, fermons la parenthèse, fermons la parenthèse. Amen. Le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Non, le Dieu jaloux n'est pas jaloux de Dieu. Il n'a rien à. En fait, il n'est pas jaloux. Ils n'ont rien à lui donner. On ne peut même pas les comparer, même. Et Dieu petit comme ça. Comment on peut vous faire? On peut vous déterminer votre taille, votre âge. Vous êtes déjà petit. Moïse a demandé, qui est-ce que je dirais m'envoyer? Dieu même était tellement étonné de la question. Il a dit à Moïse, pour Moïse, qu'est-ce que je veux que tu te dise? J'ai tellement de réponses à te donner. Tu sais quoi? Tu vas dire, je suis. Voilà, il faut dire, je suis. il dit, oui, il faut dire, je suis. On dit, mais Moïse, il dit, mais je dis de t'appeler comment? Il dit, en fait, je ne sais pas ce que je vais te dire. Je peux te dire que je suis El Shaddai, je peux te dire que je suis Dieu Tout-Puissant, je peux te dire que je suis Dieu Jaloux, je peux te dire que je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, je peux te dire que je suis le Dieu de Joël, Yannès et moi, je peux te dire tout ça, mais tu sais quoi? Voilà, dis je suis, voilà, dis je suis, parce que j'ai trop de choses à dire, hein, on ne peut pas me comparer. Donc, voilà, il faut dire je suis, et puis tu rajoutes, voilà, tu dis je suis, et puis tu rajoutes ce que tu veux mettre. Donc Moïse dit ok, et puis maintenant quand il arrive, il dit je suis, il dit que le Dieu qui s'appelle je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, en fait, il a rajouté, il est obligé de compléter la phrase parce qu'il y a trop de choses, Dieu n'est pas jaloux de Dieu. Dieu est jaloux de la relation que ces créatures qu'il a créées, son image, sa ressemblance, entretiennent avec d'autres dieux. Et quand le Dieu est un Dieu jaloux, et que tu l'as choisi, je t'ai expliqué que le Dieu jaloux, c'est celui qui extermine la cause de sa colère. Quand tu l'as choisi, en fait, je vais te montrer comment il extermine. Et c'est là que Dieu m'a bouleversé ce matin. C'était trop fort. Exode 3, du verset 19 à 20. Waouh. Exode 3, du verset 19 à 20. La Bible dit, là, il est en train de parler du Dieu jaloux. Là, c'est là, ça, c'est là. Là, on est en plein dans la facette du Dieu jaloux. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. T'imagines ça? Donc Dieu, donc là, Moïse et Israël ont choisi maintenant Dieu. Donc là, ils sont mitigés entre le choix entre l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte qui est la symbolique du diable et de son royaume des ténèbres. Quand tu lis Exode, quand tu lis l'histoire, c'est la symbolique du diable et du royaume des ténèbres. Maintenant, il entend le dire, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Il entend le dire, je sais que les ténèbres ne vous laisseront point aller. Si ce n'est pas une main puissante. Donc ça veut dire, si ce n'est pas ma main qui va venir agir, si moi le Dieu jaloux, tant que je n'interviens pas, je sais que le roi des ténèbres ne va pas te laisser. Mais comme tu m'as choisi, moi, je vais agir. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Je vais agir. Parce que tu m'as choisi, je vais agir. Donc Moïse, regardez, Moïse a choisi Dieu. Donc maintenant Dieu dit, OK, comme tu m'as choisi, je vais agir par ma main puissante. Verset 20. Regardez, verset 20, il dit, Brasi Ketai, il dit, j'étendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Alors j'ai dit, waouh! En fait, je n'ai pas compris parce que vous savez ce qu'il m'a révélé. Il m'a dit, en fait, le Dieu prodige. Tu parles à quelqu'un. Il m'a dit, le Dieu prodige. Vous savez, c'est quoi? Le Dieu prodige. Vous savez comment il extermine la cause de sa colère. En fait, quand tu l'as choisi, lui, tu sais comment il fait la guerre à tes ennemis. C'est que. Parce qu'en fait, bon, je ne sais même pas comment c'est tellement c'est fort. Quand tu regardes le verset ici, il te dit quoi? Il te dit par toutes sortes de prodiges. Donc quand il parle à Moïse, il te dit prodige. Il dit Moïse, je vais faire des prodiges pour toi. Amen. Donc quand Moïse a choisi Dieu, le Dieu jaloux, il dit, je vais faire des prodiges pour toi. Mais quand tu lis Exode 4, la Bible ne te dit pas que Dieu a fait des prodiges. La Bible te dit que Dieu a opéré des plaies contre l'Égypte. Ça veut dire que quand tu as choisi le Dieu jaloux pour toi, il fait des prodiges, mais pour tes ennemis, il fait des plaies. Ça veut dire le Dieu jaloux, en fait, quand tu choisis lui, automatiquement pour toi, ça devient des miracles. Il commence à opérer des miracles. Mais contre toi, celui qui voulait te combattre, là, maintenant, ce n'est plus des miracles qu'il fait, c'est des plaies. Je sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'as pas remarqué que quand tu choisis Dieu, tu sais, il y a des circonstances que le Dieu permet. Pour toi, c'est un miracle. Mais pour le diable, c'est une plaie. Par exemple, quand le diable a tout fait pour qu'à 23h ce samedi soir, tu tombes avec la fille en question. Et qu'au final, la fille a annulé le rendez-vous. Toi, tu dis, c'est un miracle, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Mais le diable, on te le dit, c'est une plaie. Comment ça a pu se passer? Voici, c'est ce qu'on appelle le Dieu jaloux.
tu devais te battre parce qu'on t'a insulté, toi, on t'a insulté ta maman, comme si c'est toi qui gagnes maman, on ne peut pas insulter ta maman, ta maman même, elle travaille même. Et puis on ne peut pas l'insulter. Oh, je rigole. Amen. Mais, tu vois, là, tu devais te battre. En temps normal, tu devais frapper la personne. Et non, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu ne l'as pas fait. Pour toi, c'est un miracle. Quand tu as sorti, mais ça, c'est étonnant. Hein. Mais pour le dire, c'est une plaie. Le dire, ça attrape la tête et tu dis, mais pourquoi il ne s'est pas battu? Tout était prévu pour qu'il se batte. Une circonstance t'a frappé. Tu devais être triste. Au lieu d'être triste, tu devais t'énerver. Tu as dit, non, c'est bon, je pardonne. Tu tombes et tu te dis, mais ça, c'est un miracle. Le Dieu dit, c'est une plaie. Parce que tu as choisi. En fait, quand tu le choisis, le Dieu jaloux, pour toi, il commence à opérer des miracles. Mais pour le Dieu, ça devient des plaies. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je ferai des prodiges. Mais quand tu lis Exode 4, on te dit, Dieu a opéré des plaies. Ça veut dire pour l'Israël, c'est des prodiges. Mais pour l'Égypte, c'est des plaies. Hey, quelle dimension! Le Dieu jaloux. Non, le Dieu jaloux, quand tu le choisis, lui, il opère des miracles pour toi. Et il opère des plaies contre tes ennemis. Mais quand tu as choisi tes ennemis, tu comprends alors que c'est le sens inverse. Il opère des miracles pour tes ennemis. Donc tes ennemis te font tomber. Ils sont contents. Toi, tu dis, c'est une plaie, je suis tombé, Seigneur, relève-moi de l'impudicité. Mon frère, ma soeur, tu as choisi qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voici comment le Dieu jaloux opère. Si tu le choisis, lui, il va opérer des miracles. Si tu ne le choisis pas, lui, il opère des plaies. Mais si je dis lui, il va opérer des plaies contre tes ennemis. Et nos ennemis, c'est ceux qui nous font la guerre. Le péché qui te fatigue te fait la guerre. Cette semaine, on avait la première séance de plateforme dans la main. Je demandais à certains avec quel péché ils combattaient. C'est fou, hein? Les gens combattent avec des péchés, on n'est pas aidé. Dans le secret, là, c'est toi-même, tu te blagues. Sinon, on sait. On sait que tu es dans la pornographie. On sait que tu es dans la masturbation. Bien nous blaguer ici en prêchant Jésus-Christ en statue, mais on sait que tu souffres. Voilà pourquoi Dieu envoie ces séries, parce que Dieu voit dans le secret. Voilà pourquoi il envoie ces séries, pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Voilà pourquoi tu dois t'humilier et reconnaître que c'est lui que tu veux. Mais je t'ai expliqué, c'est pas dans la bouche. Ça commence par la confession de la bouche, mais c'est dire, je décide de manifester sur la terre des vivants tes intérêts. Je décide de faire briller ta lumière, de ne pas être ténèbre, de devenir lumière. C'est le secret. Je parlais hier avec mon frère à moi, Emmanuel, et on parlait et tout. Et pendant qu'on parlait, il me disait, mais tu sais, il me dit, on a l'impression, mais c'est quand on est chrétien que tous nos problèmes viennent. Et c'est comme si l'esprit m'a ouvert les yeux sur le rima. L'esprit m'a dit, en fait, tu n'as pas remarqué, quand tu es dans le monde, tu ne remarques pas que tu as des problèmes. Mais dès que tu es en Christ, tu remarques que tu as des problèmes. En fait, c'est parce que Dieu te les met devant ta face afin de les régler. Tant que je ne sais pas que tu as des problèmes, tu ne peux pas trouver la solution. Voilà pourquoi dès que tu veux chrétien, tu te rends compte que tu as tous les problèmes. En fait, c'est parce que Dieu maintenant te montre les problèmes afin qu'on puisse régler un à un. Parce que quand tu as connu que l'oppression, tu ne sais même pas c'est quoi l'oppression. Voilà pourquoi les gens qui étaient esclaves aux États-Unis, ils ont grandi, ils étaient nés avec, ils se révoltaient pas. Parce que pour eux, c'était ce qui était normal. Tu vois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, maintenant je vais vous montrer deux rois dans la Bible. Deux rois. Il y a deux rois dans la Bible. Allons directement dans 1 roi 4. 14 au verset du 22 à 26. Je vais te donner deux rois. Un roi qui a choisi les ennemis de Dieu. Amen. Et comment le Dieu jaloux l'a frappé lui. Et un autre qui a choisi Dieu. Et comment le Dieu jaloux a frappé ses ennemis. Le premier roi, c'est le roi Roboam. Alors la Bible dit Juda. Donc Juda, ici, on parle de la ville. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre le schisme. Le schisme qui s'est passé, en fait, c'est que, très rapidement, ce qui s'est passé en Israël, c'est que après vu que Israël s'était corrompu et Dieu avait dit que en fait la descendance de David s'était corrompue, Salomon s'était corrompu en finissant sa vieillesse avec d'autres dieux, avec des femmes étrangères. Donc Dieu a dit que je vais enlever le règne d'Israël à quoi? À la descendance de David. Mais Dieu avait promis à ce que le trône de David demeure à jamais sur Israël. Donc Dieu a fait quoi? Il a dit qu'on, vu que j'ai promis à David, mais en même temps Salomon n'a pas fait ma volonté, ce que je vais faire, je vais séparer les 12 tribus de Juda, je vais séparer les 12 tribus d'Israël. Je vais mettre Juda à côté parce que Juda, c'est de là-bas que David vient. Donc là, ça sera la descendance de David. Quel que soit comment ils vont se comporter, ça sera David, parce que j'ai promis à David. Mais les 11 autres, là, ça sera Israël, ce qu'on appelle Israël. Donc ici, on parle de Juda, donc on parle de la descendance de David. Donc là, on parle de quelqu'un qui vient de la descendance de David. Là, lui, c'est le petit-fils Roboam.
C'est le petit-fils de Salomon. Il y a Salomon, il y a Jéroboam, il y a le fils de Jéroboam, Roboam. Et là, il me dit que Judas, donc on parle de toute la ville, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais ici, ils ont fait ce qui est mal, c'est parce que l'autorité établie a fait ce qui était mal. C'est-à-dire Roboam. Par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent la jalousie. Hey! Tu as entendu ça? Ça veut dire que le péché qu'ils ont commis, envoyait un message à Dieu pour dire, voici le choix qu'on fait. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Mais il faut que je fasse une nuance. Ça ne veut pas dire que si tu es tombé dans le péché, tu viens de choisir le diable. Non. Ici, quand on parle de commis, ils commis un péché, ça veut dire qu'ils ont fait délibérément. C'est un choix délibéré. Nous, on va servir Baal. Voilà. Dieu de Isaac, Jacob, là, il n'a qu'à partir avec Jacob là-bas. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on sert Baal. Donc Dieu a dit, bon, ça c'est un choix. Mais si tu es tombé dans le péché, relève-toi. Ça, ce n'est pas un choix. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole, c'est pour te libérer. Et je t'annonce que 2023 ne passera pas, que tu seras dans ce péché. Jamais. Jamais, ça a trop duré. Non, 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 c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu es caché. La même main qui m'a libéré, la même main qui m'a fait sortir de la masturbation, de la pornographie, de la colère, de la dépendance affective, de la dépression, des pensées suicidaires. Je peux citer toute la nuit, tu as pensé que j'étais moi-même, tu as pensé que moi-même j'étais Satan. Mais la même main qui m'a libéré de la délinquance, du vol, du mensonge, cette même main va te faire sortir. Oh. Quelqu'un me donne un bon amen. Va te faire sortir. Bref, donc ils excitèrent la jalousie, j'ai presque fini, plus que ne l'avait jamais fait leur père. Vous avez vu la dimension? C'est-à-dire, toi, tu pèches plus que tes parents. Bon, prochain verset. Verset 23, la Bible dit, il dit, verset 23, 23, 23, il dit, ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux, et avec des statues, des idoles, et sur toute colline élevée, et tout ça. Ça veut dire, en fait, ils ont eu des idoles. Ils ont adulé d'autres personnes. Amen. Verset 20, 24. Donc, vous imaginez, vous avez, vous regardez la dimension du péché dans laquelle on s'en va. Hein. Verset 24, ils eurent même des prostituées dans le pays. Mama. Alors, il faut comprendre ici, quand on parle de prostitution dans la Bible, c'est pas d'abord. Ce que le monde connaît comme étant prostitution. Quand on parle de prostitution, Dieu appelle ça, parce que Dieu est l'époux, nous sommes l'épouse. Donc quand on parle de prostitution, en fait, on parle d'un autre Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Quand on parle de prostitution, c'est ça, en fait. Ils ont servi d'autres dieux. Et ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ça veut dire, en fait, ils ont commencé à se comporter comme les païens. Donc voici la preuve qu'on vient de choisir quelqu'un d'autre. C'est quand on imite les païens. C'est quand on se prostitue en servant d'autres dieux. Alors, c'est très facile. Hein. Ce n'est pas d'autres dieux. Ça n'est pas dit que tu es devenu une chercheuse de religion. C'est dit que Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est très facile. Servir d'autres dieux, c'est. Tu sais que le football peut être un dieu. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis rentré dans le prophétique. Tu sais que le football peut être un dieu. Je te dis, prie. À cause du football, tu ne peux pas prier. Tu sais que le football peut être un dieu. Ferme ma parenthèse. Je parle à quelqu'un. On y va. Verset 25. Moi, je sais que je parle à quelqu'un. C'est venu comme ça. Ouf! Est-ce que tu sais que ton gars là, c'est un Dieu? C'est lui pour qui tu as arrêté de prier là. Non, comme il est chrétien, il est à l'église. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Mamba sta terebros kataya. Parce qu'il est à l'église, maintenant tu ne pries plus seul. Dès que tu veux prier, tu veux vous appeler pour prier. Tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Vous priez ensemble. Tu sais qu'il est devenu ton Dieu. De continuer, parce que là, je ressens l'onction prophétique. Non, beaucoup d'entre vous, vos dons spirituels, mais sont devenus des dieux. Des dieux de partout. Tu peux même plus te confier en Dieu. Tu sais que quelque chose arrive en mettant ta meilleure amie. En plus, en plus, tu me tais. Brasé kataya, man. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte. Le roi d'Égypte monta contre Jérusalem. Alors, je t'expliquais que l'Égypte était le symbole du royaume des ténèbres. Donc, on dit le roi, ça symbolise en fait Satan. Verset 26, rapidement, rapidement, on a presque fini. Verset 26, il fit. Non, 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 reviens. Verset 26. Pas le verset 26? Et pas le verset 26? Bon, le verset 26 dit, la cinquième année du roi Jim monta quand j'exalte. Il prit tous les trésors de la maison de l'Éternel. Ça veut dire, regardez, quand tu choisis l'ennemi de Dieu, quand, en fait, voici la plaie que Dieu va permettre qu'il te frappe. Il va prendre. En l'habitude, il prit tous les trésors de la maison de l'Éternel. Oh, la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avant ta naissance, Dieu a mis des choses dans ton cœur, des dons, des talents. Quand tu choisis l'ennemi de Dieu, il va permettre que le diable vienne prendre tous les dons et les talents. Il te dépouille de ça. Là, il me dit encore de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Ça veut dire, il a pris aussi
les dons avec lesquels tu es né. Il y a des choses que Dieu t'a données, mais il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des choses que tu sais innées en toi. Tout ça, il a tout pris. C'est qu'il a tout pris. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Ça veut dire qu'il a même pris les dons que tu avais reçus de tes pères. Ça veut dire qu'il y a des grâces générationnelles qui découlent sur les familles. Il a tout pris. Parce qu'il a choisi un Dieu jaloux. Maintenant, regardez dans 2 Rois, verset 18 à 3 à 7. Là, Ézéchias a choisi Dieu. Là, il me dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Continuons, continuons rapidement, rapidement, rapidement. Verset 4. Brisa les statues, abattit les idoles, mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nishutan. On y va. Il mit sa confiance en l'Éternel. Ça veut dire qu'il a choisi l'Éternel. Et le Dieu d'Israël, parmi les rois, parmi tous les rois de Juda qui vient après lui ou le précédait, il n'eut point de semblable à lui. Tiens, mon Dieu. Ça veut dire même David n'était pas comme lui. On continue. Hey, Ézéchias. Et regardez, au verset 7, il fut attaché. Verset 6, il fut attaché, il ne se détourna point, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Verset 7. La Bible dit, et l'Éternel. L'Éternel fut avec Ézéchias. Ça veut dire Ézéchias a choisi Dieu. Et quand tu choisis Dieu, maintenant le Dieu jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Qui réussit dans toutes ses entreprises. Ça veut dire maintenant il commence à opérer des miracles en ta faveur. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie. Et il ne le fut plus à ses yeux. Le roi d'Assyrie, Assyrie, ça faisait partie d'Égypte. Donc ça ramène encore à la notion de ténèbres. Tu vois? Il ne se révolta plus. Et l'Égypte ne domina plus sur celui qui avait choisi l'Éternel. Tu imagines ça? Donc ça veut dire le royaume des ténèbres. Juste par un choix, juste par le fait de dire à Dieu, j'accepte de manifester ta volonté, le roi d'Assyrie qui symbolise Égypte, qui symbolise le royaume des ténèbres, n'avait plus la capacité de dominer, d'assujettir. Parce que quand on parle d'assujettissement, on parle de domination. Ne dominait plus sur qui? Sur Ézéchias. Tu te rends compte comment le libre arbitre est un pouvoir redoutable pour te consacrer. Le simple fait de dire à Dieu, c'est toi que je choisis, automatiquement, il devient ce qu'on appelle le Dieu jaloux. Et quand il devient le Dieu jaloux, il fait la guerre à ce qui t'empêchait de te consacrer. Il fait la guerre à ce qui t'empêchait de te consacrer. Moi, je sais de quoi je parle. Quand j'ai dit, Seigneur, c'est toi que je veux, j'en ai marre de Mami Wata, j'en ai marre de me réveiller les matins avec mon lit mouillé, j'en ai marre. Il a dit, ok. Il a fait la guerre. Il y a des choses, il y avait des rendez-vous, tu l'as tombé le soir. C'est comme si... C'est trop le témoignage. Quand tu le choisis, lui, il devient le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux fait la guerre à ce qu'il te faisait la guerre. Mais pas seulement il fait la guerre. Je t'ai expliqué, il ne fait pas seulement la guerre. Il extermine ce qui te faisait la guerre. Donc tu as le libre arbitre. Tu as le choix de décider. Mais n'oublie pas, ton choix va déterminer le Dieu jaloux dans ta vie. Alors fais le bon choix. Choisis Dieu. Mais ce n'est pas en confessant de la bouche d'abord. Ce n'est pas ça d'abord. Choisis Dieu. C'est en faisant quoi? C'est en faisant de lui ton Seigneur. C'est en servant ses intérêts. C'est en décidant de manifester ses projets de bonheur à lui seul et à personne d'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Brazi Katazaya. J'aimerais inviter une personne qui est connectée au son de ma voix. Et qui est connecté, mais qui n'a jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu es connecté, tu veux choisir, mais je t'ai expliqué que le choisir, ce n'est pas en confessant de la bouche d'abord. Choisir, c'est en décidant de marcher avec lui. Mais ça commence déjà par confesser de la bouche. La Bible dit que si vous confessez de la bouche, vous parvenez au salut. Tu es connecté, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Donc, dis à toi, tu ne peux même pas faire de lui ton Seigneur parce que tu n'as même pas fait de lui ton sauveur personnel. Et tu es connecté, tu veux faire de lui ton sauveur personnel. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu sais que tu n'as jamais fait cette prière. Et pendant que je suis en train de parler, c'est comme des feux. C'est un feu qui monte en toi qui dit que, mais en fait, il parle de moi. Il est en train de parler de moi. Tu sais, il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur. On ne sait pas de quoi est fait demain. Tu t'es connecté aujourd'hui parce que quelqu'un a mis le lien en story. Tu penses que tu t'es connecté de toi-même, mais la vérité, c'est que tu as été attiré par le Saint-Esprit pour le faire. Alors, tu es connecté au son de ma voix, tu es présent dans l'appel et tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu vas juste mettre moi en commentaire. Mets-moi en commentaire. Tu mets moi en commentaire, je suis en train de parler. Tu ne sais même pas c'est quoi la prière de la nouvelle naissance, la prière du salut. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu es connecté, mets moi en commentaire rapidement. Rapidement. Il s'agit de toi. Je sais qu'il y a une personne. Je sais qu'il y a encore une personne. Je sais. Mambramba, Skintara, merci.
Merci pour notre sœur. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Brazi teya zunta laika braketema sintama. Qui est cette personne? Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il te tend la main. Il veut te faire rentrer dans son royaume. Il veut te faire rentrer comme Noé faisait rentrer ceux qui devaient te sauver dans l'arche. C'est ainsi que Dieu veut te faire rentrer. Il ne veut plus te voir dehors. Il en a marre de te voir dehors sans protection. Il veut t'amener avec lui dans sa maison, là où tu peux le connaître, là où tu peux vivre. Tu peux jouir de sa richesse, tu peux jouir de son esprit en toi. Il y a une autre personne, il y a une autre personne, je sais. C'est de toi qu'il s'agit. Je te donne encore 10 secondes pour te manifester. Avant, après quoi nous allons faire la prière du salut avec notre sœur. 1, 2, 3. Quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a une autre personne. La Bible dit, lorsque ton télé savon n'endurcit pas vos cœurs, il s'agit de toi. Ne regarde pas quelqu'un, il s'agit de toi. C'est le jour de ta rencontre avec Dieu. Je parle encore parce que j'insiste. Tu n'auras peut-être jamais l'occasion encore de faire cette prière du salut, je t'en supplie. Il s'agit de toi. Tu n'as jamais fait la prière du salut, tu n'as jamais fait la prière de la naissance. Tu es connecté au son de ma voix. Tu n'as jamais fait cette prière. Tu es connecté au son de ma voix. Je sais qu'il y a une personne dans ce cas. Je le ressens du plus profond de moi. Dieu a parlé à ton cœur. Et pendant que je parle, tu sais qu'il s'agit de toi. La Bible dit que Dieu convient de péché, de justice, de jugement. Dieu, tu sais qu'il s'agit de toi. Tu sais qu'il s'agit de toi. Distingue-toi, mettons-moi. Distingue-toi, mettons-moi en commentaire. Rapidement. Brazé qui était le bris, Kutalia, Braissa. Amen. Alors que notre sœur, alors ce qu'on va faire, ma sœur, la Bible dit que c'est en confessant publiquement. Amen. Donc ce qu'on va faire, ma sœur, parmi nous, là, nous tous, on a déjà fait. Ce qu'on va faire, en fait, tu vas ouvrir ton micro, mais on va tous ouvrir notre micro. Tu ne seras pas la seule à ouvrir ton micro. Alléluia. Et on va répéter. Tu vas répéter après moi cette prière-là. Et à la fin de la prière, Jésus-Christ devient ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Donc je vais t'inviter à ouvrir ton micro en premier, parce que vu c'est toi qui es la star. Voilà. Notre Altesse. Alléluia. Et aussi ceux qui regardent la vidéo sur Internet, vous allez répéter cette prière. Donc, ouvre ton micro, s'il te plaît, notre sœur, et tout le monde va t'accompagner. Notre sœur. Alléluia, tu peux le faire. Brazi Keta Braizantaya. Mandiri Brecha Rarara. Radi Siribe Chabrande. Oh, Seigneur, compassionnel. Je fais cette prière pour ceux qui sont sur Internet. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Change ma vie. Transforme-moi. Au nom de Jésus le Christ. Amen.